Excellent roman policier, remarquablement troussé par les soins d'un expert, que celui d'Alain Germain, l'affaire Calas, qui paraît aux éditions du Masque. L'auteur est metteur en scène et décorateur, rien de ce qui touche à l'opéra ne lui est étranger. Nous sommes au Palais Garnier, 4 heures avant que le rideau ne se lève, sur l'opéra de Berlioz, Les Troyens. La grande cantatrice Irma Salak commence de se préparer selon un rituel minutieusement organisé. Irma est hantée par l'ombre portée de Maria Callas, la plus grande de toutes, croisée autrefois à la Scala de Milan. Mais pour l'heure, c'est une rivale bien vivante qu'elle va affronter sur le plateau des Troyens, Sarah von Stadt-Fürstenberg. L'une et l'autre se partagent les rôles principaux de l'opéra, et tout cela sous l'œil acéré d'Ernest Lebranchu, un journaliste spécialisé qui fait l'opinion en matière musicale. Mais voici qu'un message dactylographié est glissé sous la porte de la loge d'Irma, extrait du livret des Troyens. Offrons un sacrifice aux sombres déités de l'Empire des Morts. Et de fait, les incidents, les disparitions brutales se succèdent en série parmi les membres de la troupe. Je défie tout lecteur d'en deviner l'explication avant l'extrême fin de ce thriller impeccablement mené et documenté.